Coucou les filles, alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je me suis dit, pourquoi pas rigoler un peu. Alors, je vais vous faire une vidéo, alors au lieu de vous faire un tuto maquillage sur ce qu'il faut faire pour faire ci ou ça, je vais vous faire un tuto sur ce qu'il ne faut point faire. Enfin, un tuto. Un tuto, une vidéo un peu humoristique. Alors, ça va être drôle. Préparez vos mouchoirs parce que vous allez pleurer de rire. Alors, commençons tout de suite. Ça y est, on se met dans l'ambiance de ce qu'il faut pas faire et tout. Allez, voilà. Alors, nous allons commencer par faire le teint, bien évidemment. Et tout le monde sait qu'il faut utiliser un fond de teint ou trop clair ou trop foncé. Pour ma Alors part, moi je je vais le m'en prendre trop mettrai. foncé, qui est clairement trop foncé pour moi. Ces teints bourgeois, c'est le biodétox organique qui est très bien. Je n'ai rien contre lui. Il est juste absolument trop foncé pour moi et je vais ressembler à un truc un peu Alors moi trop je vais quand cuit. même prendre un pinceau parce que voilà, hein, faut quand même pas exagérer. Vous voyez, il est clairement très très foncé. Mais au moins, vous aurez l'air bronzé. Parce que c'est bien connu, on bronze beaucoup du visage. Non mais regardez-moi ça. Comme le soleil ne veut pas venir, c'est nous qui Alors allons par aller à contre, lui. On ne descend pas dans le cou, on laisse la belle démarcation. Parce que bah, ou sinon, on voit pas que vous avez fait quelque chose et c'est idiot je crois que quoi. je peux pas faire mieux. Regardez la tête que j'ai. Magnifique démarcation. Sinon, on voit pas que vous avez fait quelque chose et je trouve ça un petit peu Vous avez bête. vu, ça fait des jolies taches. C'est trop Alors, belle comme comme ça. poudre, je vais mettre une poudre de chez Maybelline. Voilà. Qui est également un peu foncée pour moi, mais je trouve que je suis pas encore assez. Assez bronzée, quoi. Mais en hiver, c'est bien connu, on bronze beaucoup. Donc, je vais mettre aussi cette poudre. C'est bien connu, on bronze tellement du visage. C'est mon bronzer habituel. Mais je le mets d'habitude en couche légère. Mais là, je vais le mettre en. Je vais y aller, quoi. Oh, on n'estompe pas. On descend jusqu'à la bouche. On remonte sur les tempes. Bon, on va Hein. passer un petit coup de pinceau quand même. Comme nous dans le bois, pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Oh, j'ai pas mis de blush! Joli blush de chez Maybelline. Alors, je vais reprendre mon pinceau, hein, comme ça. Je vais pas, parce que je vais pas bousiller tous mes pinceaux. Alors, je vais Je vais en le poser. mettre là. Et je vais frotter comme une bourrine jusqu'en haut et jusqu'au nez. Allez, allons-y. Dire une grosse tartine grillée qui a pris des baffes. Bon, maintenant, nous allons nous attaquer au œil. Parce que c'est quand même le plus important dans un maquillage. Ce sont les yeux, putain. Oh, qu'est-ce que j'ai l'air con. Alors, nous allons faire en premier. Donc, Les je vais prendre sourcils. mon kit à sourcils de chez Sleek. Alors, sachez que maintenant j'ai les sourcils qui se rapprochent plus du blond foncé. Et là, c'est une teinte dark. C'est la teinte la plus foncée. Donc, c'est parfait pour redessiner mes sourcils. Non, mais sérieux. Au moins, on les verra. Et moi, je veux qu'ils soient définis. Définis. Avec une belle pointe comme ça et tout. Donc, je vais faire. Je vais commencer de là. Je vais remonter, hop, tout droit, et je vais redescendre. Voilà. Tout droit comme ça. C'est parfait comme ça, au moins on voit mes sourcils. Je veux dire, ça sert à rien sinon de vous maquiller si ça se voit pas. Non mais n'importe quoi, les filles qui se maquillent mais que ça se voit pas. Alors, on va faire pareil de l'autre côté, hein, sinon c'est pas drôle. On essaye de faire la même chose, mais. Si c'est pas exactement pareil, tant pis, hein. De toute façon, les sourcils, personne ne les regarde.
Donc maintenant, les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur les yeux? Comme vous le savez, en temps normal, nous mettons du clair et du foncé. Là, nous allons faire l'inverse. Nous allons mettre le clair et le foncé. Donc, je vais quand même mettre, histoire de... Pas trop, faut pas quand même exagérer, quoi. Faut quand même essayer de faire les choses bien. Je suis pas complètement idiote, hein. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis d'anti-cerne. Je vais quand même en mettre un peu. Mais je vais mettre un très foncé, très clair. Parce que moi j'ai envie de que mon dessous d'œil ressorte. Donc je vais mettre le plus clair que j'ai. Moi j'ai envie que mon dessous d'œil ressorte. De toute façon, on ne bronze pas sous les yeux. Hein. Non mais n'importe quoi. Il y a une tiquilleuse. Mais les lunettes, elle a bronzé de partout. Alors je vais mettre... quand même une base blanche partout et surtout, mais partout, je vais aller la mettre sous l'œil parce que moi, comme je vous dis, j'aime avoir le dessous d'œil très clair. Oh, j'ai mis les doigts dans mon sourcil. Oh, c'est pas grave. Bon, ensuite je vais prendre une couleur très claire, une couleur du blanc, très foncé, du blanc blanc, et du bronze, je vais prendre celui-ci. Je vais commencer par mettre le bronze, alors j'en prends, hop, et je le mets à l'intérieur. Voilà. Sans avoir tapoté, ça fait plus vrai. Et en faisant de l'extérieur vers l'intérieur, du blanc avec le même pinceau. Alors j'en prends et je veux le mettre ici. Hop, et on frotte. Alors, magnifique. Ensuite, je vais Maybelline. Je vais mettre un tout petit peu du bronze en dessous de l'œil, histoire de faire joli, quoi. Je tapote pas le pinceau. Hein. Hop, on va jusqu'au bout. D'ailleurs, ici, je vais le faire aussi. Voilà. Ah, j'étais pas osée. Tant pis. Voilà. Alors, on va faire le liner. Très important. C'est ça qui donne des jolies manettes de biche. Normalement, on part de l'intérieur vers l'extérieur. Et ben, nous, on va faire l'inverse, évidemment. On tire bien. On part de là, à peu près. À peu près, hein, c'est du... Et... Hop là! Et on essaye de faire une belle virgule. Évidemment, comme on n'a pas attendu que ça sèche et qu'on a fait l'andouille, eh ben on a la magnifique photocopie sur le dessus. On fait pas, de toute façon personne ne regarde, on s'en fout. Alors, on va mettre du crayon, un petit peu. Non, on va pas mettre du noir. On va mettre du bleu. Du bleu turquoise. Faut changer un peu le style, hein. Voilà. C'est sublime. J'ai un truc à paillettes aussi, hein, histoire de mettre des couleurs pour briller. On va sortir ce soir. Alors, on va mettre le mascara. Et on va le mettre comme ça. Parce que moi, je préfère le mettre comme ça. Bon, ça fait un petit peu des photocopies en dessous. Mais en fait, comme ça, ça fait des beaux paquets dans les cils. Et du coup, on voit, vous avez du mascara. Bon, maintenant que j'ai fait ça... Bah, je vais faire les lèvres.
Voilà, je vais un petit peu prendre mon kabuki et enlever, voilà, comme ça. Histoire de dire j'ai enlevé quelque chose, quoi. Mais je laisse les petites traces et tout parce que ça fait plus vrai. On voit que vous avez fait quelque chose, en fait. Hein. Sinon, ça sert à rien du tout. Bon, maintenant, je vais mettre du rouge à lèvres. Alors, moi, je vais mettre du rouge parce que j'aime bien. Alors, d'habitude, les filles, on met le foncé en crayon et le clair en rouge à lèvres. Et bien là, évidemment, tout est bien qu'on va faire l'inverse. Alors, j'ai pris un crayon framboise et je vais mettre un rouge à lèvres. Plus foncé. Et on va essayer de dessiner les lèvres pour donner plus de volume. Je dirais que j'ai des grosses lèvres comme ça. Mais on va mettre le rouge à lèvres. Voilà. Très joli. Vous voyez pas? Là ça va, vous voyez. Je vous mettrai des jolies photos. Je vais remettre un petit peu de crayon. Voilà. Ensuite, évidemment, faut accessoiriser. Vous pouvez pas sortir en boîte comme ça, hein. Il manque des trucs, quoi. Attendez. Comme ça, on voit plus vos cheveux. Et en fait, eh ben, on voit que votre visage il est plus foncé. Vous voyez ? Faut cacher vos cheveux. Bien cacher. Faut bien que votre cou, là, il soit dégagé. Pour bien qu'on voit que vous avez fait quelque chose. Parce que sinon, comme je dis, ça sert à rien si on voit pas. Ça sert à rien de s'embêter. Hein. Le fond de teint, évidemment, trop foncé. Parce que faut qu'on vous ayez le teint. Allez. Après, évidemment, la poudre également trop bronzée. Histoire de réintensifier ce côté un peu bronzé. Parce qu'on bronze beaucoup du visage. Tout le monde le sait. Ensuite du bronzer, parce qu'il n'y a pas assez de... Donc vous le mettez bien en creux, mais vous estompez pas beaucoup en fait. Et ensuite vous mettez du blush. Alors le blush, vous le mettez comme ça, et après vous frottez bien comme une malade, pour qu'on le voit comme ça. C'est magnifique. Une carotte qui a trop cuite, elle a rougi. Ensuite... Ensuite... Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Vous faites vos sourcils. Alors, vous prenez des teintes beaucoup plus foncées. Parce que sinon, comme je dis, ça se verra pas. Il faut que ça se voit. Alors, vous faites un truc bien défini, bien carré. Hop, une belle pointe. Vous remplissez tout ça et voilà, c'est réglé. Les sourcils, ils sont faits. C'est magnifique. Ensuite, pour les yeux. Alors pour les yeux, vous prenez du foncé que vous mettez en coin interne. Comme vous savez, normalement on fait l'inverse. Mais moi j'ai décidé de faire le foncé dedans et le clair dehors. Parce que c'est mieux. Et donc vous mettez votre pinceau, vous l'avez pas secoué. Sinon ça enlève de la matière, ça coûte cher. Hein. Alors vous mettez et après vous frottez. Comme ça, ça fait un petit peu des chutes et des dépôts, mais c'est pas grave, personne regarde. Ensuite, vous prenez la couleur claire avec le même pinceau, pourquoi s'embêter? Et vous frottez, hop, comme ça, pareil, ça met des chutes un peu, mais c'est pas grave, c'est du blanc, ça se voit pas. Juste avant, vous avez quand même mis de l'anti-cerne plus clair, parce que c'est bien d'avoir le fond, je sais plus parler. C'est bien d'avoir en dessous de l'œil un peu plus clair. Je trouve que c'est plus joli. Et vous avez mis une base blanche. Moi, j'ai pris un gros crayon de chez Claire's. Et je l'ai bien étalé, mais jusqu'en haut et en dessous. Voilà. Ça fait un œil bien blanc. Et moi, j'aime bien. Voilà. Après avoir fait ça, vous prenez votre œil. Vous prenez la couleur que vous avez mis là. Et vous la mettez en dessous. Comme ça, tout long. Mais vous frottez avec votre pinceau. Vous vous embêtez pas à estomper ni rien. Pff. Après, on verra plus rien. C'est débile. Ensuite... Vous prenez votre eyeliner et au lieu de commencer de l'extérieur, vous commencez de l'intérieur et vous
jusqu'à l'intérieur comme ça. Et après, bon bah si vous... Faut faire attention quand même parce que vous voyez, après ça fait des photocopies. Mais au moins on voit que vous avez mis de l'eyeliner. L'autre côté, il n'y a pas de photocopie. J'ai fait attention, vous avez vu. Alors, par contre, il faut essayer de faire la même chose. Alors moi, c'est approximatif, hein. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Et ensuite, alors moi, j'ai décidé de mettre du bleu dans l'œil parce que, bah, pour changer du noir un peu. Après, j'ai mis de l'eyeliner pailleté. Alors, je l'ai frotté, hein. Vous voyez, ça fait des brillants dans les yeux, c'est joli. Après, vous mettez du mascara. Alors, le mascara, très important. Pas comme ça, mais vraiment comme ça. On frotte comme ça, ça fait des paquets. Au moins, on le voit, votre mascara. Voilà. Et ensuite, pour les lèvres. Alors, les lèvres, on met le crayon clair à l'extérieur. Et surtout, on dessine bien les lèvres. Pour essayer d'avoir... Parce que moi, j'ai des petites lèvres. Alors, du coup, je dessine bien à l'extérieur pour essayer d'avoir des plus grosses lèvres. C'est plus joli quand même. Au moins, on voit que j'ai des lèvres. Et au moins, on voit que j'ai passé du temps, quoi. Et après, vous mettez du rouge à lèvres plus foncé à l'intérieur. Et s'il faut, vous redessinez un petit peu les lèvres. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et après, bah surtout important, vous cachez vos cheveux. Voilà. Vous cachez vos cheveux pour qu'on voit cette belle démarcation. Pour qu'on voit que vous avez mis du temps à vous maquiller. Voilà. Comme ça, c'est magnifique. Comment vous me trouvez? C'est beau, hein? Voilà, les filles. Ah là 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 là. Donc, bien évidemment, comme j'ai dit au début, c'est une vidéo humoristique, mais on voit tellement de filles qui réellement se maquillent comme ça, avec la démarcation, avec le rouge à lèvres trop clair à l'extérieur, avec des grosses lèvres et tout. On en voit tellement, l'eyeliner qui fait un gros paquet sur le côté, et on en voit tellement que c'est plus fort. On est obligé de faire des vidéos comme ça, quoi. Bon, les chutes, c'est un petit peu exagéré. C'est vrai que maintenant on fait un petit peu plus attention, mais alors là, j'ai vraiment l'air très con, mais ça regroupe vraiment toutes les catastrophe, maquillage qu'on peut croiser dans la rue, c'est juste une horreur. Voilà, bah c'était vraiment pour rigoler, je savais pas quoi faire aujourd'hui, donc du coup voilà, je vous ai fait ça. Sauf que je vous mettrai des photos après, évidemment. Donc voilà les filles, bah je vais quand même vous faire des bisous, hein. Bon, des petits de très loin, je pense. Et puis, bah, je vais vous dire à la prochaine vidéo pour quelque chose d'un petit peu plus sobre. Je vous promets. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !